Salam alaikum, marhaba bikoum, معكم Lahlou Mustafa en direct من Lahlou Industry pour ce troisième épisode de l'Hebdo IT. Le troisième épisode va donner un comparatif du GPU, un comparatif très intéressant et très riche en même temps. Bon, on va baser sur la fameuse carte la R9-295X2 de GB, la BGPU. On va faire un comparatif avec un système Crossfire en double carte ou là en triple carte. En Crossfire ou là en un seul GPU, quel est l'intérêt pour le client? Est-ce qu'il doit acheter vraiment une carte BGPU? Est-ce qu'il a réellement un avantage ou là non? S'il opte pour une carte en Crossfire, yani en double carte ou triple, est-ce que c'est mieux pour lui? Bien sûr, on vous informe qu'on a intégré un tout nouveau protocole de test, déjà bien sûr, comme un rendu en 3D basé GPU qui va vous être présent tout à l'heure, Inch'Allah. Bien sûr, toutes les cartes Hadoumar sont basées sur le constructeur Gigabyte. C'est bon. C'est un constructeur qui a une notoriété très importante de par le monde. Il est classé parmi les trois meilleurs constructeurs au monde, côté carte mère et carte graphique spécialement. Ando des softwares très intéressants, bien sûr. On va voir le comparatif Hadoumar tout de suite. On va commencer le test ma'abad, donc qui m'a donné le test en 3D, en rendu 3D basé sur le GPU. Donc on chauffe ma'abad le rendu Hadaya sur le logiciel très prisé 3DS Max. Voilà, donc lancer au logiciel. Bien sûr, à souligner que on a choisi de faire le rendering avec basé sur l'OpenCL, parce qu'on a le choix entre deux, soit basé sur des cores CUDA, soit basé sur l'OpenCL, vu que l'OpenCL est compatible avec les GPU AMD. On doit s'y mettre l'OpenCL, bien sûr, pour nous faire le rendu. On va charger une scène. On va voir comment... Voilà, on va voir la scène Hadia. Voilà. Voilà. Donc la scène, on va voir en temps réel. Voilà. Comme on va voir, on va zoomer. On dézoome. Voilà, elle s'actualise immédiatement. Donc la scène s'actualise immédiatement. C'est bien sûr, c'est en rapport direct avec les performances de la station, de le GPU, vu que c'est un triple crossfire. Donc, la fluidité, l'actualisation quasi en temps réel, c'est possible pour n'importe quelle solution GPU. Donc, on remarque vraiment une fluidité exceptionnelle. Nous, par exemple, voilà, on fait des changements, on intègre un objet directement, voilà, chauffe l'objet, voilà, en temps réel, zoomer, kimarako chauffe, voilà. Yanné, ça, c'est vraiment très rentable. Et très très fluide pour tout professionnel qui veut interagir avec le logiciel et faire des changements. Il n'est pas obligé d'attendre rien et redessiner n'importe quel changement mineur les déroule la maquette 3D ici un mode de là. Non, ça double la productivité voire plus. Hadi, pour ce qui est de l'interaction en temps réel avec la 3D, donc une chauffe le rendu, lancer un rendu tout simplement qui m'a qu'on a basé sur l'OpenCL. Voilà. Ah, le rendu t'en a lancé. Bien sûr, on va voir شحال يستغرق من وقت, شحال الوقت راح يديه. On compare bien sûr avec les différentes solutions les عندنا. Donc le rendu l'on a lancé fait en triple crossfire. On dit donc on bad le rendu en double carte graphique R9-290X Crossfire, le rendu avec un seul GPU 290X Wahdo, ou bien sûr la carte R9-295X2 BGPU.
Et la Santana, elle s'est complétée. Donc la Santana, elle est 1 minute et 50 secondes pour se réaliser. Donc la scène Hadia, bien sûr, on utilise les mêmes paramètres, la même résolution, on duplique ça sur toutes les solutions pour faire un comparatif yani, des plus cohérents. C'est très très important. Pour ce qui est des paramètres utilisés, yani, comme vous pouvez voir affiché sur votre écran, le type d'engine utilisé, c'est bien l'OpenCL avec 512 d'échantillonnage, etc. etc. Voilà. Donc, lancé le test TANA, TA3DS Max, mais avec un seul GPU, donc Imara Kuchufu, une seule carte R9 290X, ou c'est bien sûr le même modèle TA Gigabyte qu'on a utilisé auparavant, les trois cartes. Donc, lancé 3DS Max. Donc, tout d'abord, on va voir en termes de fluidité, est-ce que c'est la même chose. On va essayer de voir la maquette TANA 3D, la scène 3D TANA, d'essayer de l'explorer en profondeur et de faire l'ajout d'objets qui m'a aussi nommé copil. Un chauffe-eau, est-ce que c'est aussi fluide qui met le système Crossfire TANA les trois cartes. Voilà. Chargez la scène TANA. La Santana. L'actualisation toujours en temps réel, mais on remarque quand même une légère différence avec le système Crossfire. C'est toujours aussi fluide. Yani en temps réel, il a une actualisation assez rapide, mais quand même, elle est un peu moins rapide qu'avec le système Triple Crossfire. C'est légèrement perceptible, mais à rien. Donc, on va essayer de faire Kimam Kupil. Donc, on va essayer d'ajouter un objet, par exemple. Voilà. L'actualisation est toujours au rendez-vous, donc c'est assez rapide. C'est excellent. Donc, lancez le rendu TANA, donc le rendu TANA 3D qui va comprendre les mêmes paramètres que tout à l'heure, qui m'a donné. Donc, voilà, lancez le rendu TANA. On chauffe ce que ça va donner dans le laps de temps yani écoulé. Le test TANA sur un seul GPU R9 290X est fini. Qui m'a rendu chauffe le temps passé, le render et le rendu de la scène, il a pris 4 minutes et 19 secondes. C'est équivaut à yani, un gain très important yani, qui chauffe le système Crossfire à 3 cartes, le système 1 carte en termes de pourcentage. Il faut voir ça à l'échelle d'heure et à l'échelle de jour. Il faut voir dans une scène de rendu ou la yomine ou la 10 à 20 heures. L'écart est vraiment très très important puisqu'on parle d'un gain qui dépasse les 100% fait la scène hadia. Rana chauffe comme d'habitude bien sûr les options, ils sont identiques le système utilisé avant qui est le crossfire de trois cartes avec l'OpenCL toujours en type d'engine et 512 en échantillonnage etc etc. Voilà. Comme le test TANA à 3DS Max, avec cette fois on va s'intéresser au rendement des deux cartes graphiques en Crossfire, donc deux R9 290X OC en Crossfire. La carte c'est des cartes identiques qui m'achèvent mobile. Le logiciel c'est toujours la même chose. Donc le même logiciel, la même scène, les mêmes paramètres. Voilà, pour avoir un point de comparaison, il y a assez intéressant pour tout le monde, que l'insan se retrouve et que les données soient vraiment pertinentes. Voilà, donc on va essayer de charger la même scène, donc, le Marouna. Nous chauffons belle la fluidité de la scène, Hadia, yani. Voilà. Qui m'a un chauffe-eau en temps réel, on explore la scène.
Voilà, l'actualisation, elle se fait quasi instantanément. Toujours, bien sûr, qu'il y a une différence, qu'il y a une différence les systèmes, donc trois cartes, deux cartes et une seule carte, c'est pas la même chose. La différence, elle n'est pas perceptible avec des insignes qui chauffent, avec des chiffres, mais la différence, elle est bien là. Donc, CEO, par exemple, nous créons un objet. Indique. Voilà, on recule. Voilà, tout simplement. On va essayer de faire le rendu, d'aucun. Donc, lancer le rendu, Tana. Donc, il m'a chauffé le résultat du test de rendu les deux cartes en Crossfire, les deux R9-290X. Alors, la dernière le rendu en 2 minutes 31 secondes, donc ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup plus important, elle a un seul GPU et beaucoup en retrait par rapport au système triple Crossfire, ce qui est logique. Donc, les paramètres, on a reproduit exactement les mêmes paramètres qui m'a chauffé, donc l'OpenCL. Donc, engine, le multi-échantillonnage à 512, la résolution qui est identique, bref, cool le schkif-kif, yani pour avoir des résultats qui sont vraiment, vraiment pertinents. Yani c'est un test en bon et due forme. L'insane, il peut comparer yani, en ayant des résultats fiables, mes chers. Nous commençons le test sur 3DS Max, donc Kimara. Donc, on a installé la carte R9-295X2, la BGPU, Hilic, installée à l'unité, le système water cooling fixé et tout. Donc, bon, on va lancer le logiciel. Voilà, on charge exactement la même scène. Donc, on va essayer de reprendre la même scène des test, les solutions précédentes. Donc, on charge un chardin. Donc, on aura la même scène, les mêmes caractéristiques, les mêmes paramètres d'affichage, tout ça, la même résolution. Voilà. Donc, la scène là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de voir la fluidité. On va essayer d'explorer la scène. Là, donc, voilà, en temps réel. On essaye d'explorer la scène. On chauffe la fluidité, elle est vraiment pas mal. C'est un peu similaire à les dernières solutions, même s'il y a une différence. On chauffera bien sûr au moment du rendu. Il y a des rahat. On essaye même par exemple de créer un. Voilà. On crée un objet. La scène, Tana. Voilà. C'est le changement est quasiment immédiat. Un échauffement boolien manipulé en temps réel. Voilà. On va maintenant essayer de lancer le rond du tana. Donc avec le rond du tana, on lance et on aura le résultat dans quelques instants. Nous chauffons le temps de rendu Tanam à la R9-295X2 sur 3DS Max. Donc, il nous a pris quand même 2 minutes 38 secondes, ce qui est un peu plus élevé que la solution Crossfire, l'Ishfnaam Koubil. Les paramètres sont quasi identiques. Donc, ils sont identiques, mais je suis quasi identique. Donc, comme 512 en échantillonnage, une résolution qui est vraiment identique par rapport à tous les tests précédents et ceux à venir. L'engine utilisé de compatible OpenCL, etc. etc. Voilà. Donc, on s'intéresse aux résultats obtenus sur 3DS Max. Donc, 3DS Max, Kimeshifto, on a pu explorer une scène en temps réel et voir la fluidité et la qualité de la résolution obtenue tout en ajoutant un objet ou en naviguant. La résolution, elle était quasi parfaite. Donc, c'est très intéressant pour nous, pour tout professionnel qui a besoin de ça, parce que les solutions graphiques, c'est très difficile d'avoir cette qualité de résolution tout
tout en naviguant sur la scène en mode en temps réel, c'est vraiment pas évident. Maintenant, kima rakou rahin tchoufou ala kulli hal, les résultats affichés sur l'écran ta'kom, on a aussi fait le rendu graphique. Donc le rendu lana il est basé comme on l'a expliqué sur le moteur de rendu compatible avec OpenCL. Donc c'est très important à souligner, c'est pas du tout basé sur le CPU, c'est basé uniquement sur le GPU. Je ne peux donc calculer où il y a les performances à chaque solution. Alors qu'on va voir en termes de pourcentage toujours par rapport à la R9 290X, qui représente la solution la moins importante, il y a le comparatif d'ailleurs, et elle va représenter 100%. On va voir le gain en fonction, il y a à chaque fois du temps obtenu, à chaque fois le pourcentage est bien sûr d'une solution à une autre. Qui m'a remarqué le gain obtenu en solution Crossfire de cartes graphiques R9 290X est meilleur que la solution BGPU, de très peu bien sûr, donc c'est quasi identique, mais bon, on doit souligner quand même cette petite différence. Donc la solution Crossfire prend encore le dessus sur ce test à 3DS Max. نبداو لي تاست تاعنا دوك pour comparer les différentes solutions de GPU. Donc pour à titre de rappel, donc عندنا le test à un seul GPU R9 290X, c'est-à-dire une seule carte graphique. ومن بعد عندنا une solution Crossfire تاع 2 fois R9 290X, عندنا une solution triple Crossfire تاع 3 fois R9 290X, وعندنا une solution BGPU تاع la R9 295X2. Donc le principe il est très simple. En fait, رانا حين basé le pourcentage à la R9 290X en considérant les performances obtenues فيها sont des performances à 100%. Donc après vous allez voir le pourcentage هذا évoluer à حسب chaque solution. باش تشوفوا en termes de pourcentage حل le gain obtenu. OK, donc كيما راكم راحين تشوفوا les tests تاع des marques vont s'afficher sur l'écran. Donc comme les tests obtenus en mode Firestrike normal ou comme en mode Firestrike mode extrême. Donc les deux tests réalisés sont réalisés avec la même station, les mêmes caractéristiques techniques à la station que vous allez pouvoir découvrir sur notre site web qui n'est d'autre que la station Gamer Supreme 1.0 utilisée pour les tests. Donc avec un CPU i7-4960X Extreme Edition, etc. etc. Les gains qui m'arrivent à chauffer, ils sont vraiment au rendez-vous, donc ce n'est pas des solutions juste pour la frame. On a le en double GPU, donc en Crossfire, il y a un gain assez important qu'on note, sur 3D Mark, que ce soit le Firestrike ou l'Extreme. Le triple Crossfire, c'est le gain le plus important enregistré à la Coulée Hall. C'est une solution très performante. Et la grande, on va dire, entre guillemets, déception à le test, c'est la BGPU. La BGPU qui n'arrive pas à convaincre sur ce test avec les performances obtenues via la solution Crossfire. Donc la solution Crossfire qui offre plus de performances que la solution BGPU par la R9 295X2. Donc, on entame les tests in-game, donc on attaque au Crysis 3 en premier lieu. Donc, Crysis 3 qui est très très gourmand. Donc, je trouve bien la solution R9 290X. On va lui attribuer, bien sûr, comme d'habitude, à chaque protocole, un pourcentage de 100%. Et on va voir l'évolution à partir de ça. Donc, sur double, triple GPU et la carte BGPU R9 295X2. Donc, d'après les résultats que vous allez voir sur votre écran, vous allez réaliser quand même une chose surprenante, c'est que Crysis 3, en fait, d'un problème d'optimisation, n'arrive pas à bien exploiter les solutions au-delà de 2 GPU. En fait, quand on met 2 GPU à sa disposition, là, on a les résultats les plus optimales qui soient. Dès qu'on arrive à 3 GPU, les résultats changent. On voit clairement que le jeu n'arrive pas à tirer les performances de tout le potentiel t'as les trois cartes en même temps. Donc ça c'est un souci d'optimisation propre au jeu bien sûr, mais quand même on a insisté pour relater les chiffres exacts quoi qu'il arrive. Donc vous allez les voir affichés sur l'écran et vous allez pouvoir scruter tout ça. Donc on a le mode normal et le mode ultra comme d'habitude. Sinon clairement la solution BGPU se rapproche de la solution Crossfire comme à son habitude, c'est du quasi identique, même s'il y a une petite différence que vous allez pouvoir voir sur le graphe.
Côté BF4, donc nous chauffons la suite du test. Donc, qui marque aura une chauffe l'écran comme on a obtenu divers résultats. Ce qui a noté au fait sur le mode normal surtout, c'est que les performances arrivent à saturation avec une seule carte. Donc, ce qu'on note, c'est que à partir de la R9 290X, il y a plus de gains performance possible sur le mode normal. Donc, gain and home, vous allez remarquer le même pic de FPS qui arrive à 200, la même moyenne si on compare par le minimum et le maximum d'FPS, que ce soit pour toutes les solutions, même celles à trois cartes graphiques en même temps. Donc le mode normal, ça c'est clair, donc on peut jouer avec toutes les cartes à fond, on arrive vite à saturation, mais le mode ultra c'est une autre histoire, donc on peut remarquer quand même beaucoup de différences entre une solution et une autre. Les rah jib l'ihtimam ta3na, yani c'est beaucoup plus la solution BGPU avec le Crossfire, donc là on va avoir quasiment les mêmes résultats avec des petites différences toujours, mais c'est toujours dans le même point, donc ce qui conforte l'idée que le Crossfire n'est pas si déraisonnable que ça, au contraire il est bien conseillé pour arriver aux mêmes performances, du moins sur les tests qu'on a vu jusqu'ici. Donc BF4, la chose la plus importante c'est que en mode ultra, la solution avec trois cartes, elle est vraiment très bien optimisée. C'est-à-dire que l'aqd des performances à saturation avec trois cartes en mode ultra. Donc en mode ultra, on peut voir un pic à 200 FPS sur Battlefield 4, ce qui est vraiment exceptionnel. Et on remarque ça in-game parce que le minimum d'FPS, l'air que tu fais FBF4, il est rarement atteint. Ça veut dire que la plupart du temps, tu l'as 200, 160 FPS, etc. Donc c'est une fluidité hors norme. Voilà. Donc c'est et tout pour le test Hadat à BF4. Donc, on revient à notre récapitulatif pour tous ces tests. Donc, les tests je pense que beaucoup d'entre vous auront déjà une idée à le produit, une idée à l'issue des tests Hadia, mais on va le confirmer quand même Ma'abat. Donc, on va traiter le comparatif Hadat, la conclusion Tao, sur quatre volets différents. En termes de refroidissement, en termes d'encombrement et en termes de prix et en termes de performance. Donc nous devons chauffer en termes de refroidissement, est-ce que la solution R9 295X2 est vraiment intéressante? Malgré le système Taha qui est vraiment, il a une esthétique très bien faite, le système de LED, tout ça, un système hybride, il a le air cooling avec le système all-in-one, le water cooling, mais il n'arrive toujours pas à bien refroidir le GPU comparé à un système Crossfire. Le Crossfire Hada a beaucoup plus de capacité de refroidissement que le système Hada en BGPU. Ou à l'âge, c'est très simple, parce que chaque GPU a une carte à lui tout seul, avec un système de refroidissement Kbir à lui tout seul, élaboré pour lui. Alors que l'autre, il faut gérer les deux GPU qui chauffent sur une seule carte. C'est pas évident. Même avec le système de water cooling intégré, on a remarqué que la carte quand même chauffe pas mal. Et il est hors de question d'envisager un overclock ou quoi que ce soit d'autre, si ce n'est l'utiliser avec les performances natives Taha. Maintenant, côté encombrement, bien sûr, on peut trouver un avantage à une solution pareille en disant que bon, ça prend un seul PCI Express pour placer deux GPU au lieu où un balak mandouche place le boîtier, il veut sauvegarder de la place, etc. La réponse est oui si on considère les PCI Express bark en termes d'encombrement, mais non si on considère l'encombrement global. Donc ça, avec un seul PCI Express pour deux GPU, mais il ne faut pas oublier que le système water cooling prend énormément de place à l'intérieur de votre boîtier. Donc il faudra réserver une place pour le radiateur avec l'extracteur TAO, plus la tuyauterie, ce qui est vraiment assez encombrant. Donc côté performance, ben, elle ne fait pas vraiment long feu, vu que la solution Crossfire quand même arrive à la battre sur pas mal de tests qu'on a vu ensemble, que ce soit côté professionnel ou côté game, la solution Crossfire reste assez compétitive, on doit le dire. Donc la solution BGPU HD, elle n'apporte en fait aucune optimisation supplémentaire, si ce n'est le fait d'intégrer tout simplement deux GPU 290X sans aucune optimisation particulière, sans aucune prise, yani optimisation côté driver aussi. Donc pour l'instant on n'a rien remarqué, si ce n'est que la solution Crossfire est quand même le choix le plus intelligent des deux.
de ce côté-là. Côté prix, donc, hein, qui nous comparer, bien sûr, bon, côté prix, il n'y a pas photo. L'Ahlou Industrie, bien sûr, dispose de la carte R9-295X2, mais on sait très bien qu'on n'est pas là à titre de commerçant. On est juste en train de comparer les choses techniquement parlant, faisant partie de la même communauté. Et nous, même si le produit est disponible, on vous conseille fortement d'opter pour une solution R9-290X qui coûtera beaucoup moins cher, qui vous fera économiser les quelques 30 000 dinars actuellement au moment où on tourne cette vidéo, oui, peut-être plus ou moins dans les temps à venir, ça on ne le sait pas. Donc pour l'instant, c'est une solution très économique qui est la solution Crossfire. Malheureusement, la R9-295X2 demeure assez chère pour le gain en performance quasi nul comparé avec la solution Crossfire. Donc c'était le test de l'Ahlou Industrie avec vous pour ce troisième épisode de l'hebdoïté pour la saison 1. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube affichée sur votre écran. Vous pouvez aussi visiter notre site de vente en ligne, l'Ahlou Industrie, qui s'affiche également sur votre écran. À souligner que l'Ahlou Industrie est distributeur exclusif de la marque Gigabyte en Algérie, comme beaucoup d'autres. Et on vous dit merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.